On espère que vous n'avez pas été déçus. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour les prochaines rencontres et à très bientôt. À très bientôt. Il essaye de, comment dirais-je, bousculer un peu la première muraille imposée par le sélectionneur tanzanien, en l'occurrence Salum Mayanga. Oui, tout à fait, mon cher Mohamed. Mais ce qu'il faut retenir, c'est actuellement, le football est d'abord collectif. C'est tout le monde qui participe à l'animation offensive et c'est tout le monde qui défend. Zindine Farhat qui centre, intervention de la défense. Farhat Hapigad Moshouva, Yahya Abbas Indem Lassay. Et là, concernant les changements dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a le bon de tous algériens, à savoir tous les joueurs sont allés vers le chauffement avec leur préparateur. De balles au milieu de terrain, j'ai eu une belle combinaison entre Bondia et Soudani, mais dommage, plutôt Soudani pouvait donner sur le Mahrez qui était vraiment esselé et il n'attendait que le ballon. Dommage. Il ne demandait qu'à être servi. Oui, Soudani n'a pas pris l'information pour donner le ballon vers le Mahrez qui vraiment attendait le ballon. Très bonne lecture, Ahmed Laribi, les Tanzaniens qui récupèrent. Et en tout cas, ils sont un peu sortis de leur coquille, les Tanzaniens, en cette deuxième mi-temps. Ils ont compris que s'ils restent contents derrière, ils prendront d'autres buts, ce qui ne sera pas du comme le eye contact. Tout à fait. Et avec les yeux, vous regardez quelqu'un, vous lui transmettez un message, il l'a reçu. Mais oh là 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 là, lui frappe, Chaouchi en deux temps. Chaouchi qui a été impérial en deux temps sur cette action. En tout cas, la première, c'était de marquer un quatrième. On a été servi. Je l'avais dit, Ahmed Laribi. Je l'avais dit. En tout cas, Baghdad Bounjah vient de confirmer tout le bien qu'on dit de lui, ce joueur qui évolue actuellement à l'équipe Asad Football Club au Qatar. En tout cas, il faut le faire. Hein. Oui, il faut le faire. C'est un véritable slalom. Hein. Là, il a complètement déboussolé et déraillé la défense tanzanienne. Oui.